Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir ce coffret Célébration, coffret dresseur d'élite pour les 25 ans qui était sorti à l'occasion des 25 ans, l'anniversaire des 25 ans Pokémon qui était en octobre 2021. Donc je vais ouvrir ce coffret dresseur d'élite. Alors voilà, je suis bien content d'avoir pu récupérer ce coffret, ok. Bon, c'est quelques mois après la sortie, mais c'est toujours intéressant. Et donc, je vais faire une vidéo d'ouverture, comme ça, je prends du plaisir à ouvrir ce coffret et vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, en espérant, pourquoi pas, d'avoir des super cartes ou pas. Ça va être la surprise. Et, les amis, il y aura une deuxième vidéo derrière, bien sûr, comme je fais depuis dernièrement, avec l'analyse de cette ouverture, les statistiques. Voilà, donc ça va être sympa. Alors, ce coffret, qu'est-ce qu'il contient ? Contrairement aux autres, j'ai déjà fait des petits coffrets, j'avais fait l'ouverture du coffret Lanceurien Prime, il me semble, il y a quelques mois, et bon, il n'y avait que deux boosters, il me semble, deux boosters de... C'est des boosters de 4 cartes, en fait, pour les 25 ans. Là, il y en a 10, 10 boosters de 4 cartes, donc ça, c'est pas mal du tout. En plus, on a 5 boosters supplémentaires du JCC Pokémon. Oh là là, des protège-cartes, des cartes brillantes. Ouh, ça c'est... À mon avis, c'est un produit vraiment très 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 intéressant, les amis. Donc, hop, je vais vous le faire découvrir. On va découvrir ça ensemble. Je pense que il peut y avoir potentiellement des choses vraiment intéressantes. Alors, c'est vrai que les dernières ouvertures, d'un point de vue rentabilité, c'était pas top. Mais il me semble que les coffrets sont un peu mieux. Les coffrets dresseurs d'élite. Alors, si on arrive encore à se les procurer... à 50 euros maxi, alors celui-là je sais plus combien il était, il me semble qu'il était un peu plus cher, genre 70 euros. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais effectivement, pour les 25 ans, les produits étaient légèrement plus chers. Alors hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a déjà ce petit livret. C'est un guide de jeu, tout simplement. Je vais mettre la boîte là. Ah, c'est un guide de jeu qui, oh, qui vous répertorie les cartes. Ah, cet analogue de cartes classiques. Ok, ça vous explique un petit peu le jeu Pokémon. Et vous avez la liste des cartes célébration. Ah, ça c'est pas mal. Surtout pour les collectionneurs, vous avez toutes les cartes célébration. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. Au départ, je crois qu'elles ont un numéro de 25, il me semble. Mais là, il y en a beaucoup plus que 25. Là, déjà, rien que là, on en a une trentaine. Même plus que ça, là, on a 4 fois. On en a 20, ça fait 20, 32, 44. Oui, il y en a beaucoup plus, hein. Après, il doit y avoir des cartes qui sont très 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 cotées, je pense aux dernières là. Ça c'est des cartes magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret? Hop, je vais enlever peut-être même pas, on va enlever, alors, je vais enlever tous les produits, ça va être plus simple. Je vais enlever cette partie centrale. Et puis on va découvrir. Alors, il y a des petits dés. Donc ça c'est pas mal pour les joueurs. Vous avez aussi ces petits jetons. Hop, on a un petit livret. Avec les règles du jeu de cartes à collectionner Pokémon, toutes les règles, ça c'est pas mal, vraiment les coffrets dresseurs d'élite, ils sont pas mal, ça peut aider vraiment les nouveaux joueurs, donc ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a plein de petits lots, franchement c'est top, alors c'est vrai que ces coffrets, en temps classique, c'est à partir de 50 euros, il y a des vendeurs qui les vendent jusqu'à 100 euros les amis, ça fait trop cher. On a des protège-cartes, des intercalaires estampillés aux 25 ans Pokémon, on a, qu'est-ce qu'on a? Alors... une carte à code, bon, je vous le donnerai à la fin, comme je fais d'habitude. Je vous sors tout ce que je trouve à l'intérieur de cette boîte. On a les protège-cartes. Donc, il y en a 65. C'est pas mal si vous avez un deck pour protéger vos cartes. Ça, c'est pas mal du tout. On a tous ces boosters. Wow, il y a de quoi faire, les amis. Avec, donc, normalement, 10 boosters célébration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oula, j'ai hâte de faire les cotations de tout ça parce que ça va être vraiment intéressant. Du règne de glace, EB06, style de combat, c'est EB05 ou EB04, je sais plus. Donc, il y a 5 boosters en plus. Ouh, ça c'est intéressant. On a ces cartes, ce sont des cartes énergie. Allez, on va voir ça. On va ouvrir ces cartes énergie. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de tout type d'énergie. Combien il y en a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils disent dans... ils disent 45 cartes énergie. Ok, alors pour les joueurs c'est pas mal parce que voilà, vous en avez besoin. Il y en a 45. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a cette carte Amphinobi. C'est une carte promo. D'épée et bouclier, c'est la numéro 144. C'est une carte holographique rare. Elle est un peu arrondie, on va dire.
Je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. C'est-à-dire que quand il y a une carte qui est une seule carte dans, dans une pochette plastique, c'est plus compliqué de ne pas les abîmer. Voilà, je vous la montre. Elle est magnifique. Magnifique carte en Phenobi. Oh, il y a des petites, petits points brillants. Ok, donc ça c'est sympa. Donc voilà, les amis, ce coffret quand même vachement intéressant. Là, on a quand même vraiment, alors déjà 10 boosters de 4 cartes pour célébration. Et ces 5 boosters, épée et bouclier. Donc les amis, je vais commencer par l'ouverture de ces boosters. Et puis c'est vrai que là, après, j'aurais hâte quand même de faire une analyse chiffrée. Parce que là, ça va être intéressant vraiment de voir le rapport de ce que j'ai obtenu. En espérant que là, j'ai quand même une carte intéressante. Une carte un peu plus cotée pour les 25 ans. Allez, c'est parti. Premier booster, EB06, Règne de Glace. Hop. Alors, qu'est-ce que... Alors, la carte à code. Je vous donne le code, les amis, pour ceux qui souhaitent pour le jeu en ligne. Si vous souhaitez récupérer le code pour le jeu en ligne. Voilà. Comme je fais d'habitude. Et on va... Je vais espérer, pourquoi pas, avec ce coffret... Alors, en premier, on a... Alors déjà, le code, le petit logo en bas à gauche, hein. C'est parti. En premier, ce sont les cartes communes avec Ron Gourmand. Je vais essayer de bien les tenir. Ensuite, Flambino. Bon, je les ai triés pour que, en premier, les communes apparaissent. Topiqueur. Gringolem. Vivaldin. Maintenant, il va y avoir, donc il y a 5 cartes communes, les 4 peu communes avec Galégon, Gant Ignifuge, un dresseur, un autre dresseur, Lanterne Accueillante, et une carte Énergie, une carte Reverse, What What, c'est une commune Reverse, et la rare, oh, Metalos VMAX, oh, ça commence très fort. Non. Eh ben, les amis, ouf, j'ai hâte de faire la cotation derrière de ces cartes et de vous proposer ça. Parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pas été très chanceux pour les ouvertures de coffrets. Là, ça commence très fort. Elle est magnifique, les amis. Oh là là, super. Premier booster, là, ça commence incroyablement. Bon, bah voilà, premier booster, là, ça met bien dedans, là, franchement. Bien content de vous proposer ce produit, comme beaucoup de produits. Alors, le deuxième booster, EB06, Règne de Glace, avec le code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent le récupérer. Voilà, hop. Et les cartes, c'est parti. La première carte avec Tarsal. Celle-là, je vais la mettre un peu de côté. Comme ça, je vais les laisser en visu. Morpheo, forme eau de pluie. Blizzy. C'est des cartes françaises, hein, j'avais pas reprécisé, vous en êtes rendu compte, je pense. Tout à fait de Galard. Smogo. À la première, peu commune, un dresseur boule de cristal brume. Bastien, mon autre dresseur. Fogler. Maintenant, énergie bleue. La reverse, Gringolem. C'est une commune reverse, la 65 sur 198. Est-ce qu'il y a 198 cartes dans cette édition numérotée? Mais il y en a plus que ça, avec toutes les cartes ultra rares derrière, en supplément. Et Galam, c'est une rare classique, la 81 sur 198. Donc voilà, c'était les deux boosters EB06. Maintenant, c'est si le combat... Alors, je sais plus si c'est EB05 ou EB04. Bon, c'est pas grave. Il y en a 3, je suppose que c'est EB05. Je m'en rappelle plus. Fini par se mélanger dans toutes ces éditions qui sortent. Alors, premier booster, style de combat. C'est vrai que j'en ai déjà ouvert, hein, mais bon, là, c'est dans ce coffret, et ça va être aussi pour la cotation de ce coffret. Avec le code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Hop, vous y gagnez aussi avec ces codes que je vous remets. Allez, c'est parti. Première carte avec Malos. Ah oui, le logo est différent. Hein. Vous le voyez, c'est une sorte de, oh, de, je sais pas, de couronne avec 3 feuilles qui sont au-dessus. Lépidonil, Monorpal, Scorplan, Electek, Morpeko. Première peu commune,
Dimoclès en deuxième, peu commune. Sarah, c'est un dresseur, peu commune. Énergie Combat. Oh, un dresseur, donc une carte peu commune en reverse, recycleur d'énergie. La 124 sur 163, là il y en a un peu moins des cartes. C'est vrai que les, plus ça monte dans les éditions, plus il y a de cartes. Et on a en rare, oula, j'arrive pas à la prendre. Oh, une ultra rare V. Chifour, non, c'est une holographique rare V, pardon. Chifour, point final V. Ouh, elle est magnifique. Voilà, d'un point de vue cotation, c'est vrai que ce type de cartes, on peut les trouver à 3 euros. Hein. Sur Card Market, entre autres. Mais je suis bien content de l'avoir, franchement, elle est top. Ah oui, et pour information, je ne le fais pas dans la vidéo, mais je vais bien protéger les cartes derrière. Je vais toutes les mettre dans des pochettes plastiques, parce que je ne veux pas prendre le risque qu'elles s'abîment. Dans le temps, voilà, c'est quand même très important. Une petite pochette plastique, vous pouvez en trouver pour 1,50€, 2€, vous en avez une centaine. C'est quand même pas mal. Allez, deuxième booster. Épée et bouclier, style de combat. Le code pour le JCC Online. Voilà. Peut-être mettre là, comme ça. Hop, je vais laisser le tas, comme ça. Je vais laisser la carte. Et comme ça, ça fera un visu. C'est parti avec la première carte, Gripat. Ensuite, Chaglam. Ramolos de Galar. Voltoutou. Cornèbre. Danticris. Frison. Ce sont les cartes peu communes, la deuxième peu commune, Niveau Ball, Dresseur, la 129 sur 163. C'est la troisième, pardon. Oh, je suis allé beaucoup plus vite. Une carte énergie électrique. Et, oh, une rare reverse, M. Glaquette de Galar, la numéro 35 sur 163. Ok, rare reverse, bon, c'est intéressant. Et ensuite, oh, oh, c'est quoi ce truc de fou? Alors là, les amis, c'est la 169 sur 163. Chifours, 1000 points VMAX. Je pense qu'à mon avis, je vais arriver à la rentabilité pour ce coffret très très vite avec des cartes pareilles. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est magnifique. Oh, franchement, là, c'est oh, c'est un truc incroyable. Alors, j'ai été très très peu chanceux dans les dernières ouvertures. Là, je ne sais pas quoi dire. Il y a déjà Metalos VMAX. Là, je sais pas quoi dire. Ouh, c'est un truc de fou. J'ai vraiment hâte de faire la cotation de tout ça et de vous proposer ça dans une autre vidéo. Là, je suis vraiment... il me reste encore un booster de style de combat à ouvrir et il me reste les 10 célébrations. C'est incroyable. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas eu une telle ouverture. J'espère que ça va durer. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouh, je suis bien content. Allez, c'est parti. Le troisième booster style de combat avec le code... pour le JCC Online. Hop. Ah, et puis là, si ça se trouve, celle-là, je suis tombé. C'est une carte qui peut valoir peut-être plusieurs dizaines d'euros. Je sais pas du tout. Je voudrais pas m'enflammer trop vite, mais ça sent pas mal. Allez, Chétiflore. Arché-Omir. Alors, quelle ouverture pour l'instant. Quelle ouverture, les amis. Cornèbre. Hippotrempe. Cerebou. La première peu commune, c'est l'énergie 1000 points. Ensuite, un dresseur, Spectra. Afla Manoir, un numéro 26. Une énergie plante. Et Chaofouine, c'est une rare reverse. C'est quand même la deuxième aussi que j'ai en rare reverse. Ok, ok, c'est pas mal. Et en... Dryol, c'est une rare classique. Oui, c'est logique, hein, en même temps. En 5 boosters, j'ai eu toutes ces belles cartes. Franchement, je suis pas étonné qu'à un moment, j'ai des cartes classiques. Voilà. Donc là, les amis, ça cartonne pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je vais essayer de les mettre bien en évidence. Voilà. Donc les amis, cette ouverture, bon, je sais pas quoi dire, mais si je m'arrête là, c'est déjà plutôt intéressant. Et il me reste ces 10 boosters. Alors, ils ont 4 cartes par booster. Donc j'espère qu'il va y avoir au moins quelque chose d'intéressant. J'ai pas eu trop de choses pour l'instant en célébration, donc c'est difficile de se faire une idée, mais
vu le coffret, vu qu'il y a quand même 10 boosters de 4 cartes. Allez, je vais espérer avoir un truc sympa à vous montrer. Et puis là, franchement, là, je crois que ça vaut vraiment le coup, les amis, de savoir ce que ça vaut tout ça. Parce que, franchement, ça commence très fort. Allez, et en plus, ils ont une carte pour le code online. Oh! Donc, c'est plutôt intéressant. Allez, le code pour le JCC Online. Pour ceux qui souhaitent le récupérer. Et maintenant, combien il y a de cartes? Il y en a 4. Hein, 4. Donc, on va les laisser comme ça. Je vais les retourner. Et voilà, la première, c'est Kyogre. C'est la numéro 3 sur 25. Donc, c'est une carte holographique, rare. Il n'y a que l'image qui brille. Ensuite, on a Dialga, la numéro 20 sur 25. Alors, vous avez le logo dessus, l'emblème des 25 ans. La troisième, Floriza. Oh, elle est magnifique. Alors, celle-là, voilà. C'est au-delà des 25 cartes, c'est ces fameuses cartes. Puisque celle-là, comme vous pouvez voir, c'est une carte du set de base qui a été rééditée. Et pour les 25 ans, et c'est la 15 sur 102 du set de base, hein, je précise bien. Alors, je ne sais pas si on voit bien l'image. Elle brille avec des sortes de petites taches autour du personnage. Oh, bah voilà, je crois que c'est la première que j'ai qui est comme ça. J'avais pas eu encore cette chance. Ouh, j'ai hâte de la cotation. Ouh, Pikachu volant V. Oh, bah écoutez. Alors, je sais pas si elle vaut grand chose ou pas, mais elle est sympa. Oh, bah, ça commence très très fort. Alors là, les amis, je sais pas ce que ça vaut. Premier booster, et j'ai surtout une carte comme ça. J'en cherchais justement au-delà des 25 cartes, des fameuses 25. Je sais pas combien de cartes qui étaient éditées. Alors je vais peut-être reprendre le petit fascicule ici. Parce qu'il y a la liste. Mais la liste, elle s'arrêtait à 25 ou pas? Alors, le Pikachu volant en V, il est là, hein, c'est la sixième. Donc, on va aller jusqu'à 25. Et on a, effectivement, là, on en a 20. On a les 25 premières cartes qui s'arrêtent là. Et puis, à partir de là, on a des rééditions. Et effectivement, il y a le Dracaufeu. Alors là, je pense que ceux qui ont le Dracaufeu, elle doit être vachement cotée. Mais moi, j'ai eu le Florizarre, qui est là. L'une des premières rééditions, il y a le Tortank aussi. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, je suis plutôt content. Le Dracaufeu, ça doit être le summum, à mon avis. Je sais pas combien il est coté, mais... Allez, c'est parti. Deuxième booster. Alors, c'est parti. Hop! Avec le code pour le JCC Online. Et puis, je vais vous donner... Alors, j'aurais peut-être dû avancer l'autre. Je sais pas, je vais voir. C'est comme ça, j'avancerai l'autre en premier. Comme ça, ça sera plus sympa. Pas le cas, c'est la numéro 4. Sur 25. Ensuite, oh oh, la numéro 1. J'imagine qu'avec 3 ou 4 cartes par booster, j'en aurais 40. Je vais peut-être en avoir sur les 25 un bon paquet de différentes quand même. Ça serait sympa. Pikachu de... Ouh, c'est la fameuse carte promo qui est rééditée. Une deuxième. Deux en deux boosters. Mais dites donc, j'en avais pas eu dans les coffrets lanceurs rien. Là, ça change. Ok. Et je la mets ici, Solgaleo, la numéro 21 sur 25. Alors effectivement, je vais peut-être, pour faire du suspense, la passer en premier. Comme ça, on va mettre les trois en premier, ça sera plus simple. Oh là, je suis bien content, les amis. Oh purée, j'ai hâte vraiment de... Regardez comme c'est beau. Chifourse VMAX, 1000 points. VMAX, Chifourse, point final V. Metalos VMAX, j'ai aussi Florizarre, Pikachu de... Oh là là, Pikachu volant V. Que des belles cartes. Cette carte promo, je ne sais pas si elle est bien cotée ou pas. Mais là, je crois que ça... ça fait quand même quelques temps que j'avais ce coffret. J'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir avant, parce que j'ai pu le récupérer juste après la sortie. Je suis bien content de pouvoir faire cette ouverture en vidéo. Franchement, allez, le code pour le JCC Online. Donc là, je vais la passer devant pour faire durer le suspense, puisque c'est souvent dans la troisième carte qu'il se passe quelque chose. Oh! Recherche professorale. Donc, c'est la numéro 23. Oh oh! Ah oui, mais j'aurai forcément des doubles, hein, c'est sûr. Hein. La numéro 1. Xerneas. La numéro 12. J'essaye de faire bouger un petit peu l'image, comme ça on peut peut-être voir un petit peu la surbrillance de l'image, puisque c'est l'image, c'est le cadre qui est holographique, enfin l'intérieur du cadre qui est holographique, mais pas le reste. Hein. Et alors, Yveltal, la numéro 19.
Bon, c'est bien parce qu'il y a au moins bon paquet de cartes différentes. D'ailleurs, je vous dirai tout dans la vidéo de stats, hein. Je vous dirai combien j'en ai eu sur les fameuses 25, et puis sur les autres aussi, combien j'en ai de différentes grâce à ce coffret. Parce que c'est vrai que ça s'intéresse aussi aux collectionneurs et un peu tout. Mais je pense que les coffrets dresseurs d'élite, c'est ce qu'il y a de plus rentable. J'ai l'impression, comparé à d'autres produits qui pour l'instant... ou alors, à moins que vous ayez un coup de bol dans les autres produits. Allez, la carte pour le JCC Online, le code. Ça... Voilà, je vais mettre la carte en dernier, que je me trompe pas. Et encore, ah là, j'en ai des doubles avec O. Ok, j'avais déjà eu dans un autre coffret. Lugia, c'est la 22. Lunala, la numéro 15. Et ensuite, Zekrom, la 10. Donc voilà, il n'y a pas eu de carte spécifique là-dedans. Mais par contre, il me semble que ces cartes-là, je ne les avais pas encore. Donc ça, ça m'intéresse, les amis. Il me reste combien de boosters? Il m'en reste 6. Il m'en reste 6. Alors là. Bon, c'est vrai que ce coffret, des coffrets de la sorte d'élite classique, vous pouvez le trouver à 50 euros. Si vous avez énormément de chance, parce que sur Internet, les prix vont jusqu'à 100 euros. Mais dans certains magasins, j'ai pu en voir à la Fnac à 50 euros. C'était un coup de bol. Après, des coffrets des sœurs d'élite un peu particuliers comme celui-là, je crois qu'il était plus cher. Je sais plus, je crois qu'il m'a coûté 70 euros. Je l'avais peut-être déjà dit, mais... Allez, le code pour le JCC Online. C'est pour vous donner un ordre d'idée, en fait. C'est parti. Avec la première, Cosmog. La numéro 13. Une nouvelle. C'est bien. C'est bien. Je suis content. C'est pas mal. Palkia. Donc la 4, je l'avais déjà eu. Mew. Ah, je l'avais pas, c'est la 11. Il me semble, elle me dit rien du tout. Mew. Oh, sympa. Les images sont sympas. Et ensuite... Oh, une fameuse des rééditions. Trainer Admin Rocket. Donc c'est la Team Rocket, c'est la 86/109. Oh, c'est la troisième des rééditions. J'en avais pas jusque-là, je suis bien content. Ah, c'est top. En plus des 25, je la mets ici. Oh, ça c'est super. Ce coffret, vraiment, alors là, c'est vraiment, j'ai un, je pense, un bon coup de chance là. J'ai vraiment hâte de vous faire l'analyse de ça. Alors, ça rattrapera peut-être un peu tous les mauvais coffrets que j'ai eu. Je sais pas si ça rattrapera complètement parce qu'il y avait vraiment des très, très, très mauvais coffrets en général. Mais de toute façon, je ferai une analyse à la fin de toutes les analyses pour vous cibler les produits que j'ai trouvé intéressants et les produits non intéressants de toute façon. Allez! En général, de toute façon, les produits sont devenus trop chers, les boosters trop chers. Là, ce coffret pour les 25 ans, c'était tellement difficile de se le procurer, il n'y en avait tellement pas beaucoup, que je suis bien content d'avoir pu au moins en avoir un, et puis l'ouvrir en vidéo, c'est incroyable. Allez, pas le cas. Bon, je l'ai déjà. Ils auraient pu faire un effort, les images sont pas, ça ressort pas assez. Zekrom aussi. Alors, la troisième... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle est un peu noire. Elle est... Oh, alors, hop! Pikachu Surfer V! Oh! Ça, c'est pas mal. J'ai eu le Pikachu Volant V, j'ai le Pikachu Surfer V. Ah, je suis bien content de l'avoir, par contre, celle-là. Je suis bien content. Et Groudon, la 17. Ah, c'est pareil, je sais même pas si je l'avais, celle-là. Ouh, il y en a pas mal de différentes. Et surtout, j'ai eu les deux Pikachu. Et le Surfer V, il me semble qu'à un moment, elle était super cotée, l'une des premières. Bon, je pense pas, là, c'est une réédition, donc à mon avis, elle va avoir quelques euros maximum. Hein. Il me reste 4 boosters, les amis. 4 boosters dans cette formidable, ce formidable coffret. C'est un coffret des célébrations des 25 ans Pokémon. Allez, hop. Coffret célébration des 25 ans Pokémon, coffret dresseur d'élite. Avec le code. Voilà, avec le code pour le JCC Online. Avec en premier, Lugia. C'est la 22. Déjà eu. Groudon, je l'avais précédemment. Ben là, hop, elle est juste là d'ailleurs. Hop, voilà. Donc déjà eu aussi. Hop, on continue. Oh, qu'est-ce que c'est que cette carte? Recherche professorale, c'est encore... Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est la 24. Ah non, c'est la numéro 24, ok. Ouais, c'est la 24/25. Ah non, je confirme que je l'avais pas, celle-là. Elle est... Ah, elle est magnifique. Oh, magnifique. Ouf, incroyable. Et... Oh, Tortank!
Ah, il manque le Dracaufeu! Oh là 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 là! C'est. Bon, les amis, je sais plus quoi dire. La réédition de Tortank, je sais absolument pas la cotation de ces cartes! Non, mais là, ça devient n'importe quoi, c'est du délire, il manquerait plus que j'ai le Dracaufeu! Oh, là, je sais plus quoi dire, ah, franchement! Mais attendez, j'ai eu les trois qui suivent, quasiment! Alors, on va aller voir ça! On va aller voir ça sur les rééditions! Ah bah, il manque celle-là aussi, le Mew, là, la 25. Mais j'ai le Tortank, le Florizarre. Je me demande si j'ai pas eu le professeur Chen aussi. Ah non, non, j'ai eu Admin Rocket, c'est celle-là. Elle est plus loin. Et Pikachu 2, il est où? Il est là. Oui, bon, ça suit pas forcément. Mais je m'enflamme quand même, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Là, Ah, j'en reviens pas. Et il me reste encore 3 boosters. Ah, si je tire le Dracaufeu, les amis, là, je sais plus que ce que je fais, hein, mais. Ouais, ça me paraîtrait improbable avec tant de belles cartes. Ouh, j'ai hâte de découvrir la cotation. J'espère ne pas être déçu. Vraiment, 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 avec ce que j'ai trouvé là. Mais rien que la beauté des cartes. Voilà. Il manque la 25 aussi, qui est un peu hors norme. Je pense que là, à mon avis, peu de chance que je l'aie. Veltal, la 19. J'ai déjà eu, je crois, celle-là. Reshiram, la numéro 2. Ok. Je continue. Lunala. Ah, j'ai déjà eu celle-là, la 15, il me semble. Il me semble. Et ensuite, Kyogre, la numéro 3. Et je ne sais pas, par contre, celle-là. Il me semble pas. Peut-être dans une autre vidéo. Donc là, ça complète. Bah, j'avais déjà oh, la 1, la 2 et la 3. Voilà, bah, écoutez. C'est cool. C'est cool, c'est vraiment cool. Ça, c'est. Allez, il me reste deux boosters, les amis, dans cette ouverture. Pour les 25 ans, c'est bien ça. Ça va peut-être rattraper d'autres mauvaises ouvertures. Allez, hop, le code pour le JCC Online. Voilà, je vais intervertir les deux. Et on est parti pour cet avant-dernier booster avec Lugia. Bon, bah, je l'ai eu plusieurs fois. Hein, écoutez, bah, c'est le jeu. Hein. De toute façon, j'ai 40 cartes, puisqu'il y en avait 4 par booster. 10 boosters, ça fait 40 cartes. Il n'y en a que 25 dans l'édition. Forcément, j'allais avoir des doubles. Groudon, ah bah ça fait même 3 fois celle-là. Ensuite, oh, Zamazenta-V, la 18. Ouh, bah je crois pas que je l'avais du tout celle-là. Ouh, ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Et ensuite, oh, une autre encore, Donphan, la réédition. C'est quoi ça? C'est Heart Gold, Soul Silver, il me semble. Alors je sais plus quelle édition. Mais c'est une carte prime. Une réédition de carte prime. Oh là 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 là, c'est la 5e carte de réédition comme ça que j'ai. Non mais je sais, mais ça rentre plus. Ça rentre plus. Je vous les montre à la fin, mais là, ça rentre plus, j'en ai trop. C'est un truc de fou. Et il me reste un booster, les amis. Oh, après ce booster, je vous fais le bilan. Je vous donne le dernier code pour le JCC Online. Et puis après, je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse de cette ouverture. J'ai hâte de la faire. Là, ça va être super instructif et intéressant. J'espère ne pas être déçu, vraiment. Allez hop, le code pour le JCC Online. Et vous aurez le dernier à la fin de la vidéo. Voilà. Hop, j'inverse et on va garder le suspense. C'est parti. La première Cosmog. Je l'ai déjà. Bon, ok. Bon, maintenant, sur les 25, il ne va plus m'en moquer beaucoup, hein, je pense. Lugia. Oh là 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 là, je viens juste de la voir. Allez, 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 allez. Un peu de suspense, attention. Tac! Mew! Je l'avais une fois, bon, deux fois. Non, je ne sais pas si elle est recherchée ou pas, c'est Mew hein, quand même. C'est la dernière carte, les amis, avant le code. Et après, avant le code, je vous fais un petit bilan. Tac! Hop! Mello, encore une! Une réédition, Mello! Oh! Alors celle-là, c'est sur 111. Je ne sais plus les deux petites étoiles, quelle édition c'était. Ah, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Eh ben, c'est une nouvelle réédition. Oui, ça fait beaucoup de rééditions. Je sais pas quoi dire, c'est un truc de fou, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffret 25 ans? On va faire le petit bilan. Il y avait 45 cartes énergie. Très important. BD. 65 protège-cartes. Un guide de jeu. Et les règles du jeu avec ces petits jetons. Et qu'est-ce qu'on avait aussi? Des petits intercalaires. Une carte code, en plus. On avait aussi une carte promo. Un Finobi. Et j'avais 5 boosters. 2 boosters, épée bouclier, reine de glace B06 que j'ai ouvert ici. Voilà.
Et 3 boosters, style de combat, CEB05 ou EB04. Et dans ces 5 boosters, j'ai eu Metalos VMAX. Chifourse point final V. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et celle-là, et celle-là. Chifourse 1000 points VMAX. Regardez-moi ces 3 cartes de fou. Voilà, j'ai eu de la chance. Je suis content parce que vraiment, j'ai eu des très mauvais coffrets récemment. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi en plus de ces 5 boosters? On avait 10 boosters pour les 25 ans Pokémon, donc cette édition Célébration. Et dans ces 10 boosters, il y a 4 cartes par booster plus une carte à code. Je vous ai montré les cartes à code. Donc dans ces 10 boosters, j'ai eu, donc voilà, c'est les cartes qui sortent un peu du lot. Les cartes sont là, bon, j'ai eu forcément des doubles. J'ai eu ces cartes-là. Zamazenta V, Recherche Professorale, Pikachu Surfer V, Pikachu Volant V. Bon, ça c'est pas mal, elles sont belles, hein, voilà, elles sont belles. Mais j'ai eu aussi, en plus des 25 cartes qui sont numérotées, j'ai eu les cartes qui ont été rééditées. Avec Melo, Donphant, c'est une prime, faut que j'aille voir les cotations, Tortank, ça c'est une réédition carrément. C'est quand même du set de base, hein, la réédition. Il y en avait 3 du set de base. Il y avait Tortank, il y avait Dracaufeu, et puis une autre que je vais vous montrer juste derrière. J'ai celle-là, le traîneur Admin Rocket. Puis je vais bien les protéger, mettre sous plastique. Pikachu DE. C'est une réédition de carte promo, hein, elle est belle. Et puis aussi, le Florizarre, qui est aussi une réédition d'une carte du set de base holographique. Donc là, j'en ai quand même 2 de réédition du carte de set de base. Et j'en ai, sur les 10 boosters, les amis, j'en ai 6. Alors, j'avais déjà mis en vidéo un coffret lançant rien, je n'avais rien eu. Un deuxième, je crois que je n'avais rien eu également. Il faudrait que je vérifie. Et là, j'en ai enfin ces fameuses cartes. Alors, peut-être que dans les coffrets lançant rien, il n'y en avait pas forcément. Ou alors, j'ai pas eu de bol du tout. Mais c'est vrai qu'il n'y avait que 2 boosters par coffret. Je trouve que c'était un peu pauvre. Là, quand même, ce coffret d'Astral d'élite, il y en avait quand même 10. Et dans ces 10, j'en ai eu 6. Voilà, 6 plus ces 4-là, les amis. J'en ai eu 4-là, plus les 3 qui sont là, j'en ai partout. C'est un truc de fou. Et ben maintenant, les amis, j'ai hâte. Je vais vous faire l'analyse de cette ouverture. Analyse chiffrée, analyse du nombre de cartes, la rentabilité. Vous aurez tous les chiffres, tous les prix. Tout ça, j'ai hâte de commencer et pour dire exactement ce qu'il en est. J'ai quand même un bon pressentiment. J'espère ne pas être déçu. Mais là, c'est vraiment des cartes incroyables. Les amis, incroyables. Allez, je vous donne le dernier code en ligne pour le JC Online. Voilà, pour terminer la vidéo. Pour ceux qui souhaitent le récupérer. Et puis, hop, un petit petite image de fin. Allez, on va ressortir toutes les belles cartes pour ce petite fin de vidéo. Et c'est parti. Voilà, hop. Ces petites photos finales. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour l'analyse statistique de cette ouverture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.